Joris Karl Huysman pour sa biographie de Don Bosco. Lisez, ces faits récents n'ont rien d'une légende. Ces enfants du ruisseau, pour demain des pervers, virent un saint venir vers eux, les bras ouverts. Ils furent bons et purs, comme Dieu le commande. L'homme est mort, mais toujours plus féconde et plus grande, et vivant des seuls dons par les chrétiens à faire, son œuvre a rayonné sur le vaste univers. Lisez, est-ce un miracle ou non? Je le demande. Jadis, du tablier de Sainte-Élisabeth, c'était une moisson de roses qui tombait. Aujourd'hui, Don Bosco, qui, d'abord dans les fanges, ramassa les petits vagabonds de Turin, voit s'envoler devant le juge souverain de sa vieille soutane une légion d'anges.